le message que je voudrais faire passer pour ces Olympiades culturelles à Marseille, c'est de faire un focus surtout sur les Paralympiques, je suis un peu plus concerné, et de montrer qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de différence entre les athlètes. On a des athlètes quasiment du même niveau, qui s'entraînent autant, qui font les mêmes performances, et qu'on vit une période assez extraordinaire où il y a encore quelques années, on parlait des Paralympiques comme d'un truc que personne ne connaissait. Et maintenant, voilà, c'est connu par tous, et j'ai voulu, avec tous ceux qui m'ont accompagné, voilà, montrer qu'on pouvait faire les deux indifféremment, et suivre les deux compétitions surtout. Alors pourquoi cette exposition d'un regard à l'autre? C'est ma rencontre avec Jacques Cohen, qui est photographe et kiné, qui n'est pas de Marseille en plus, donc lui aussi il a un handicap, il n'est pas de Marseille. Et l'idée c'était de montrer, voilà, tous ces athlètes-là. Les photos sont extraordinaires, les athlètes sont super bien représentés, ils sont vrais, nature. Et puis on est à l'Alcazar, c'était très important qu'un endroit culturel aussi important que l'Alcazar mette en avant ces athlètes du parasport. C'est super parce que en fait, ça montre bien des sportifs qui s'entraînent durement pour aller au jeu, pour performer. Les photos sont fantastiques, les regards des gens sont fantastiques.